Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce huitième épisode sur The Last of Us 2. J'en reviens toujours pas qu'on est en train de jouer à ce jeu, mais bon, c'est pas grave, c'est un gros délire. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours enthousiaste et joyeux de me retrouver pour continuer cette aventure. Rappelez-vous, on était en train de fouiller un petit peu le quartier là. Et c'est maintenant que je me rends compte que on n'a plus grand-chose à fouiller. Je suis juste dégoûté en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des méchants? Non. Bon, ils sont sympas. Pourquoi tu reprends ton arme? Pourquoi tu prends ton arme en fait? Ça me rassure pas. Même si c'est juste une arme de poing, mais. Ok, là se fermer. Qui a fait ce bruit? Putain, mais les mecs. Trop fort quoi. C'est des ninjas. Bon, on va essayer de contourner. Par là. Voilà, on est safe dans le garage. Enfin, on a beaucoup plus de zones pour se cacher. Attends, mais ils se téléportent ou quoi? Je les entends comme s'ils étaient un peu trop proches de moi. C'est quoi ici? C'est pour craft? Ouais, mais on n'est pas du tout en zone safe là. On va améliorer celui-ci. Je fais le plus vite possible. Ça, c'est bien ça. C'est excellent même. Bon, là, je peux me faire attaquer à tout moment. Hein. On est bien d'accord. Allez, on peut faire encore quelque chose. Putain, j'essaye de faire vite. Merde, merde, là je peux rien faire. N'imagine pas ce qu'ils leur donnent pour leur place. Quand tu les entends, c'est dur, putain. Non? Tu veux. Tu te rendras? C'est sympa. Mais je te donner un conseil. Vas-y. Démerde-toi pour nous faire parler et puis nous en. N'écoute pas leur conseil. Ça dépendra du Scar en face de moi. Tu crois pas? Ils sont toujours trois? Mais Dina, baisse-toi. Ma soeur là. Qu'est-ce que tu fais? T'as évidemment ils vont vers moi. Ok, elle a mis du temps à tirer, hein. Vous êtes combien les frères? Non, allez, mais... allez, à court! Oh, c'est Superman ou quoi? Faut pas qu'elle s'échappe! Vite, vite, vite! Je suis mort, je suis mort! En fait, ce qui est perturbant, c'est qu'il y a un petit cooldown quand j'essaie de tirer. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi je peux pas tirer tout de suite.
Viens t'enlever. Mais cours. Ellie. Pourquoi tu ne cours pas? En fait c'est trop frustrant, ça répond pas à ce que je fais. Putain, tu m'étonnes, on a perdu tellement de vie et de balles. Putain, mais en fait, je vous explique. Quand je me mettais au sol, genre elle faisait une animation bizarre. On a juste besoin d'une minute pour lui parler. Comme si elle mettait trop de temps à saisir son arme. Ok, je veux bien que ce soit réaliste, mais là en fait ça ampute mon gameplay. Et j'étais pas au courant. Bon, toi t'as rien évidemment. Par contre, je pensais pas être vu. Hein. Je me suis dit, je vais le garder un petit peu de temps pour voir justement si ça va déclencher quelque chose avec ses alliés. Mais bon, au moins on sera pour l'avenir. Bon, bah la zone est clean maintenant. C'est déjà ça. Fais voir un peu. Ah ouais, c'est pas mal cher, hein. Ça devait être la pandémie qui a fait monter les prix. Yop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu vas me dire que là, les infectés m'avaient pas entendu tirer. Non, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste du tout ça, les copains. Qu'est-ce qu'on a ici? Fran, ça y est. Ok, mettez la pause si vous voulez lire. J'aimerais bien tenter les explosifs là sur les claqueurs. Oh, last round. Survival Magazine. Si j'ouvre ici, c'est la merde, hein. Elle est où ma grenade? Ok, donc fallait vraiment le faire en priorité. Le second. Bon, celui-là est assez facile en soi. Putain, j'aime trop voir l'animation qu'elle fait. Tu l'as tué? Ok. C'est bon. Parfait. Eh hey, mais... Non, j'ai cru que c'était une militaire. Ok, fou. Eh ben ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Je sais pas pourquoi j'ai cette manie de fouiller les toilettes. Je suis pas spécialement scatophile ou quoi, mais... Oh putain, c'est quoi ces toilettes? C'est un délire, gros. Il doit y avoir tellement de références là-dessus. J'essaye d'en voir. Après, je connais pas tous les groupes de rock. Waouh. Non. Ok. Bon, je les connais pas. Si vous les reconnaissez, tant mieux. Si vous avez la ref. Le Bassard Boys. Ça me dit quelque chose, ça. Putain, bien vu. Ok, bah on s'en va. Écoute, on retrouve l'air libre. Puis on va se dépêcher d'aller quand même à la tour radio. Eh mais oui, c'est bien Capitol Hill, hein. On reconnaît. Parce que Capitol Hill, en fait, c'est pas le quartier gay. Mais comment je pourrais vous formuler ça? C'est un quartier pas mal ouvert d'esprit. Voilà. Disons que si tu veux être là avec tes potes et te déguiser, vous savez comme il y a des gens des fois qui se mettent en cosplay en pleine rue, bah tu vas là-bas et en théorie t'es pas trop jugé. En théorie, hein. Après
Après, il y a toujours des cons, hein, comme partout. Comme ceux qui mettent des bad reviews à ce jeu alors qu'ils n'y ont pas joué. J'ai vu quelque chose là. Il y en a partout. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on se replie. On se replie pas. On se rassemble, c'est pas pareil. On a mis des mois à sécuriser la zone. Les chefs savent ce qu'ils font. Enfin, je suppose. Donc en fait, il y a plusieurs chemins. Et ils ont l'air d'être tous gardés. Putain, Dina, elle fait tellement mal, mon frère. Retire-toi. En bas ! Mais merde ! Mais vous êtes deux ! Vous allez être trois bientôt. Ah, vas-y, je vous attends. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Comment on zoom ? Voilà. Oh, celui qui passe. Celui qui passe va se manger la bastos de sa vie. Regarde ça. Juste ici. Oh. Bah, il passe beaucoup trop vite, hein. Bon alors, ils viennent ou quoi? Bon, bah nous on continue, hein. Ok, on est toujours repéré. Il y a lui là-bas. J'aimerais bien pouvoir changer d'épaule. Parce que là, ça me saoule. Il est là, non? Pourquoi il est pas là? D'accord, il est considéré comme déjà mort. Merde, fais chier! On va faire ça. Merde, sors ton arme! Bon, on sait qu'il y a quelqu'un qui est venu. Encore un autre. Vous êtes tous cons en fait. Bon bah moi je loot, hein. Ok, l'autre fait son jogging, on va pas l'embêter. Par contre les gars sont beaucoup trop nombreux, nous on est que deux là, c'est dur. Manger toutes mes balles, hein. Sacré gourmand, va. Ok, c'était peut-être le dernier, il n'y a plus la musique. Ça va? C'est ouais. Dur, putain. Ne m'en veuillez pas, hein. C'est ma première run, on est d'accord. Sur The Last of Us, premier du nom, j'étais aussi pourri la première fois. Il suffit d'apprendre tranquillement. Alors. Là c'est bon, là on est dans la merde. Le truc c'est que eux ils ont des balles à l'infini, mais tu sais quand tu vas les fouiller ils ont plus rien. Va comprendre. Y avait un truc ici. Là, bam 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 bam. Fou, c'est stressant, j'ai même pas envie d'aller à la tour télé. À la station télé, ça va être encore plus dur. Et je dirais pas qu'elle est... Ah si, elle est quand même assez résistante, mais ouais, Joël aussi prenait pas mal de patates, hein, en vrai. Il prenait bien sa dose aussi. Ok, ici on a rien. Faudrait que j'aille fouiller l'étage du bas. Hey, je crois que c'est par là.
C'est où? T'es où? Ouais, bah oui, c'est par là. Non, mais il y a un gros trou dans le mur. Tu penses que c'est pas par là, toi? Hop. Petite cascade, parce qu'elle peut pas ramasser le truc qu'il y a au bout de la table. Ok, on a fait le plein un petit peu. On va pouvoir se recharger. Là, on a rien. Et ici, on est bon. 3 sur 3. Enfin, 3 et 3 dans le... dans la reserve. C'était pas mal ces petites mines de proximité au final. C'est très très efficace. Bon, ici c'est la boucherie. Hein. Boucherie, charcuterie. Oh la vache! On peut même shooter dans leurs pieds et tout. C'est bon délire, j'avoue. Bonne ambiance. Ok. On va aller par là. J'ai pas l'impression que ce soit un café d'une marque hyper connue. De toute façon, ils vont pas mettre Starbucks ou quoi que ce soit dans le jeu, t'imagines? Tu payes des droits pour une minute, même pas. Ouais, il y a... c'est grand. C'est très très grand, mesdames et messieurs. Je ne peux pas faire mieux que ça. Hors char. Hein? C'est peut-être... non. C'est pas une référence à Fred Myers. Parce que Fred Myers, c'est plus... c'est plus, comment dire, une sorte de franc-prix. Un peu plus cher. Hein, une sorte de monoprix, allez. On va faire ça, c'est pas mal. Niveau balle 7-7. J'en ai ramassé d'autres. Voilà. Et on va pouvoir avancer. Qu'on a, on a rien dans les tiroirs. Parce qu'il n'y a pas de tiroir. Ici on a quoi? Je vérifie que toute cette zone... non, toute la zone n'est pas fouillée. Ça m'embête. Hein. On va pas y aller. Et ça? Un claqueur de non loin. On va essayer de les repérer. Ça m'a l'air d'être... j'allais dire ça m'a l'air d'être celui à droite, mais en fait non. Les deux sont beaucoup trop proches à mon goût. On va tenter un truc. Ok, on est bon. En fait, j'oublie que mon micro est pas détecté par le jeu, tu sais. Je suis en mode, je parle plus du tout. Ok, il revient. On va essayer de le choper. Avec ça. On tente un truc, hein. C'est bon. C'est bon. Ok, donc ça marche. Au final, je pense que les attaques éclairs, ça va devenir mon truc favori. Hein. C'est tellement stylé. Genre... bah ramasse. Genre tu les étourdis et bam. Fracassage. Par contre, ce fusil d'assaut a l'air beaucoup trop bien. Mais je sais pas, pas très adapté à ce genre d'endroit. Parce qu'il fait beaucoup de bruit. Et il met tellement de temps à se recharger par contre. Ça c'est assez terrible. Hein. Ok, ici on a de la poudre. Sympa ces petits stocks là. J'aime bien moi. Ils sont cool vos bureaux.
ça me déplairait pas. On est trop de santé là. On se fait pas assez démolir. Je crois qu'on est déjà mort deux fois dans cet épisode. Ou un dans celui-ci et un dans le précédent. Dans le septième peut-être. En fait, vu que je les enregistre à la suite. En général, je fais deux à la suite. Et après, je change de jour. On va prendre ça. Et ben, je me perds un petit peu. Mais c'est pour ça que je me limite à deux en fait. Parce que si je faisais quatre épisodes par jour, là, ce serait chaud. Tu vois un peu ce que ça donne là, le silencieux? Ouais, ça fait penser à... Merde. Ah, le jeu avec le motard là. Days Gone. Ouais, Days Gone. Celui-là aussi, ça me tente de le faire. Mais en vrai, je pense qu'il était là plus pour nous faire patienter en attendant The Last of Us. Ok, on peut continuer. La tour doit être une d'entre elles. J'ai aucun doute là-dessus. Mais par contre, sans paillettes, bah on s'ennuie un petit peu. On s'ennuie un petit peu et puis c'est long les distances. Donc en fait, je pense qu'on aurait pu faire full discrète. Je sens que ça aurait été possible. Fais voir. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau. Et... S ! On plie bien les genoux. Il n'y a rien là-dedans. Ok, le checkpoint est vérifié. Ok. On est de l'autre côté du poste de contrôle. Je te fais la courte. Et maintenant ? Bah, on avance. Genre, non, non, bah, c'est bon, on fait rebrousse, ouais. Rebrousse chemin. Pas légère, hein. Donne-moi la main. Allez. Ouais, t'es la bosse. Hé, hey, ce bâtiment rond, on dirait la station télé de ta carte. Ouais. Viens. Toujours plus loin, plus fort. Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais pas été là. Oh merde. C'était quoi ça? Il a foncé dans un piège. Un quoi? Un piège explosif. Tu sais, comme ceux qu'on a posés dans les escaliers, là. J'en entends beaucoup trop. Putain, mais là, on est repéré à 100 mètres, en fait. What? Mais vous êtes combien? Vous avez l'air d'être beaucoup trop à mon goût. Okay. Allez, con, allez, con. On va devoir se faire la vieille technique. Voilà mon pote. Ça c'est du gameplay émergent, okay. Comme on l'aime. Faut être plus malin que l'intelligence artificielle, hein. Je sens que ça va être compliqué, mais on peut y arriver. Parce que elle sait comment on réagit l'intelligence, tu vois. Genre c'est les mecs qui l'ont programmé pour qu'elle nous piège. Mais nous, si on apprend à la contrer, oh là là, on est meilleur que les robots de toute façon. Ok, il y a un piège ici. Ils sont bien cachés, hein. Je pense que c'était ça la technique, en fait, de les faire venir vers nous. Parce que sinon, sinon je vois pas comment tu passes le chemin, en fait. Waouh. Je crois qu'il faut qu'on descende. C'est immense. C'est immense. Vous m'avez menti, tous ceux qui m'ont dit que c'était un truc couloir, là. Où est-ce que tu vas? Attends une seconde. C'est un semi-couloir. Ok. Qu'est-ce qu'on a?
pas mal. Un petit écrou. Une note. Ok. Toujours pas de Scar, encore 4 jours à tirer, fait chier. Tu t'ennuies toi, non? Des zizi qui volent. Ah, je suis plein. Si? Vraiment? Bah on améliore notre arme alors hein. Faut utiliser tout ce qu'on trouve. Est-ce qu'on peut pas se dessiner une petite vue ici? Il y a pas mal de dégâts. Attends, regardez ça. Donc en fait, on va passer là, là, là. Ensuite, on va continuer ici et là, ça va être la merde, ouais. Ouais, je reconnais, ouais. Ok, bah on peut y aller. On vient d'établir un plan. J'en vois pas, mais ça veut rien dire. Ah, allez, la caméra. Fais un petit effort. Des fois, Dina parle avec une voix très étrange. Je la reconnais pas. C'est pour ça, tout à l'heure, quand c'était une wolf qui parlait... Attention à la glissade. J'ai cru que c'était elle, mais en fait, non. Putain. Tout va bien. Allez. Yeah. Ah, on est un petit peu sali. J'ai mal aux fesses. Ça fait que commencer. Ok. Qu'est-ce qu'on fait si jamais elle est plus là-bas? J'ai pas envie de penser à ça maintenant. On va essayer de rester sur les berges. Là, on peut rester le plus mobile possible. On devrait mettre des pièges à fil comme ça autour de Jackson. Ah, parce qu'il y a encore des pièges. À nous protéger des hordes. Ouais, c'est pas bête. Si on retourne à Jackson. Sauf qu'on risquerait de tuer quelques vagabonds au passage. On pourrait mettre des pancartes pour les prévenir. Et s'ils savent pas lire? Bah des dessins alors. Genre un pied qui trébuche sur un fil et après un grand feu. Bah ouais. Je sais que je pourrais en bricoler. Je t'aime bien, tu sais. Je veux le voir écrit noir sur blanc. Forceuse de ouf. J'ai rencontré un pote de Joël qui avait piégé une ville entière. Billy. Les habitants, ils faisaient comment? Il était tout seul. Attends, il avait une ville entière pour lui tout seul? Il était du genre méfiant. C'est triste. Mais ça lui a sauvé la vie. C'est pas comme si on devait choisir entre survivre et être proche des gens. Tout n'est pas noir ou blanc. Hé, regarde. Bah en soi, on sait pas si Billy a survécu. J'aimerais bien qu'on le croise. Même s'il a rien à foutre ici en vrai. Ah bah voilà que maintenant on a trop de balles. Eh ben, si je pensais dire ça un jour, j'ai trop de balles dans The Last of Us. Je peux plus en ramasser. Ok. N'hésitez pas à mettre la pause. C'est Raoul et Uther. Ou Roll, peut-être. Ah, on approche à grands pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu cette image dans un trailer. You know, when I say trailer, do you understand me? Je sais pas qui c'est. C'est pas Abby, ça. Hein. Feel her love. Peut-être c'est la nature. Une allégorie de la nature, peut-être. Mais elle aurait une aura verte autour d'elle. Pas bleue. Hmm. So much mysterious. Mysterious mister. Ils ont été tués par balle. Ah. Regarde. C'est celui de Tommy. Un cheval? C'est pas bon signe. Les infectés l'ont bien amoché. Est-ce que ça va? Ouais, désolé, c'est juste l'odeur. On va avancer hein, de toute façon. Il a dû continuer à pied. T'es sûr que ça ira? Ouais, ça va. T'inquiète. Heureusement qu'on n'a pas d'odorama. Parce que là, je pense qu'on aurait été tous dans la même situation. Le gerbos au coin des lèvres. Hop, c'est gratuit. Et hop. C'est Pékin Express. Non, merde, comment on appelle ça? Putain, le jeu là. Comment c'est ça pas Koh-Lanta non plus. Mais... C'était pas comme ça, Stan, si?
c'était Cassius Castle. Voilà. Il n'y a pas eu de guerre civile à Boston. Les Lucioles se sont jamais révoltées comme ça. Je vois pas de Wolf. Non. Mais on ferait mieux de faire gaffe quand même. Ok, la tour est là. C'est dans cette petite zone qu'on peut trouver plein de choses. Faut ouais, bien fouiller. C'est par là. Faut monter. Genre, c'est, tu vois, ces petits endroits là, ils sont assez fourbes pour nous avoir caché des trucs là-dedans. C'est pas le cas ici, mais... I got the nose. Oh. And I smell something. Encore des cadavres. Tu es par balle, eux aussi. C'est sûr, genre Tommy là... est arrivé par ici. Tu penses que Tommy aurait utilisé toutes ses balles? Stop. Un piège. Attends, mais elle me dit ça au moment où je suis déjà dessus. Genre, ne bouge plus, tu meurs. Oh, ça m'a fait peur. Bon, bah, on va passer par là, je pense. Qu'il a pris ce chemin. Ouais, ouais, non, mais j'en suis sûr. C'est bien bloqué. Merde. Bon, ok. On passera pas par là. Bon, bah, je vais faire attention. Ouais, il y en a vraiment partout. Putain, il faut que je fasse gaffe. Bon, bah, à droite. Ici. Non, pas ici. Là. J'ai peur. J'ai peur de tout dans ce jeu. Des claqueurs. Ils ont vraiment piégé toute la zone. Des humains. Ils doivent pas traîner dans le coin. Avec des pièges. Ça. Tu vois, t'es optimiste quand tu veux. Everything scares me. Vas-y, on avance. Non, en fait, on avance pas. Là, on peut y aller? Ces herbes hautes, ça me rend nerveuse. Ouais, on a plus de mal à les repérer. En plus, c'est hyper sensible. Hein. Là, je peux. Quand même. Quand même. Hein? Et on est toujours à la journée 1. Hein. C'est assez incroyable tout ce qu'on fait en une journée. Sachant que moi, bah, c'est sur 3 jours là que je recorde. Putain, fais gaffe! Ça va. Misère. Ouais. On a un coffre. Mais on n'a pas le code. Tain, 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 tain. En fait, je fais des petites chansons pour me rassurer là. Ok. Est-ce que le code serait là? Non. Ici. Ah, ici. Ok, pour passer du bon temps à PlayStation, c'est sympa, mais non. On s'en passera. Qu'est-ce que c'est que cette porte qui claque, là? Ah, mais ça va finir, ce bordel. Ah, tu penses que c'est... Non, c'est pas ceux-là qu'on peut casser. Le code pour ici. Il me le faut. Je peux rien crafter, j'ai tout, en fait. I'm so rich. Là, il y a quelque chose. Putain, mais... Comment je fais? J'ai pas la combi. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? On va continuer à fouiller cette petite zone-là. On va tenter d'ouvrir le coffre. Et puis, on va s'arrêter tranquillement. Je pense que ça fera l'affaire. Alors... où est-ce qu'on a un code? On est chez Paul Trone et Sofa ou quoi là? C'est quoi ça? Nah. Où est-ce que tu marquerais un code toi? Peut-être pas dans la boutique directement, mais dans la réserve. Ah, c'est ce que je me disais aussi, mais il n'y a rien. Ah, ici. Alors, pour le code, j'ai utilisé les 6 derniers chiffres du numéro de Stacy. Je me suis dit que tu arriverais facilement à t'en souvenir. Les 6 derniers. Donc c'est... Et... 55-01-33. Ok. Facile. On y va.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 55. 0, 1. Attends, on va faire ça. Hop. Merde. Ah merde. Ah non. Putain, je pensais pouvoir faire le malin et revenir en arrière, mais... Putain, ça marche pas. Bon, si vous entendez les cris, c'est des gens dehors. Hein. Y a pas d'un... Y a pas d'infecté chez moi. Allez. Boum. Une arme. Oh, putain, ça a marché. Bon, c'est déjà bien. Le truc, c'est que j'ai tout au max. Ça, c'est pas cool. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. On va juste ressortir vite fait pour être à la lumière. C'est plus agréable quand même. Hein. On va s'arrêter ici tranquillement et on ira vraiment, promis. Promis, au prochain épisode, on ira à la station TV. Non mais c'est pour le kiff. En vrai, je savais qu'il était là. Et je me suis dit, putain, je veux voir ça à tout prix. Et en plus, j'avais oublié quelque chose ici. Voilà. Uniquement pour ça. Bon allez. On va s'arrêter ici, mettez un pouce bleu si vous avez kiffé l'épisode. Moi je me suis bien amusé malgré les morts intempestives. Donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour la prochaine vidéo. Et on se retrouve très très vite, c'est promis. Ciao.